Salut! Ben aujourd'hui, on se retrouve dans mon atelier. On commande un meuble pour poser une plancha. Donc voilà le petit croquis de départ. Je vais réaliser ça évidemment avec du bois recyclé, du bois de palette. Alors là, vous avez l'ébauche 3D, on va dire. Donc je fais toujours ça au départ. J'essaye de voir quel bois je peux utiliser pour fabriquer mon meuble. Donc là, c'est vraiment l'ébauche. Première ébauche, c'est juste histoire de voir ce que ça va faire en volume. Donc là, je prépare les deux côtés. Donc, j'ai sélectionné des planches pour faire le côté, et ça c'est l'autre côté. Donc là, j'ai sélectionné les planches pour que ça tienne. Voilà. Après, ça va falloir les poncer et assembler tout ça. Et après, on s'occupera du plateau du haut et des étagères. Ben voilà, le bois est bien poncé. Donc maintenant, on va procéder à l'assemblage. Donc on va mettre de la colle sous les traverses et je vais mettre des vis. Voilà, les vis ne soient pas apparentes à l'extérieur. Alors une fois tous les éléments assemblés, on va boucher les petits trous du bois, hein, les trous faits par les clous. Là, on va boucher tout ça avec tout simplement de la sciure et de la colle. Pâte à bois fait maison, évidemment. Alors, pour continuer mon meuble, il faut que je fasse un plateau qui fasse 1 mètre par 52 cm. Donc la difficulté est de trouver des planches qui vont faire la bonne largeur. Donc voilà, j'ai trouvé 4 planches qui ont des tailles différentes. L'épaisseur est sensiblement la même. Voilà. La difficulté de travailler le meuble en palette, c'est ça. C'est de trouver les bons assemblages. Voilà. J'ai plus qu'à couper, à poncer, assembler. Bon voilà, là c'est les planches pour l'arrière du meuble. Donc 1,20 m par 1 m avec les longerons pour solidariser les planches. Donc ben, il n'y a plus qu'à poncer et assembler tout ça. Assemblage en cours. Voilà, le meuble est assemblé. Il manque plus que l'étagère et les retours sur le côté. Alors voilà l'étagère placée. Les petits rebords aussi. Voilà, le meuble plancha fini. Donc j'ai pas tellement de recul dans l'atelier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures potagères. Pour ça, vous cliquez sur le logo qui est en bas à droite de l'image. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.